Bonjour, ici Francis alias Bankebou et je vais vous montrer comment avoir des jeux payants gratuitement. Le logiciel c'est Installo, je l'aime vraiment. Bon, on va aller dans Studio. Puis après, vous allez dans Manage, Source, Edit, Add. Et vous allez rentrer la source Cydia, C-Y-D-I-A. .hackulo.us et vous faites add source. Moi, j'ai pas besoin de le faire parce que je l'ai déjà fait. Là, quand la source sera finie, vous allez dans hackulo.us. Là, vous allez attendre, là. Sinon, parce que c'est mon iPod. Là, vous voyez, vous avez tout un paquet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, là. Là, vous avez, ce qu'on voit, c'est Installos. Là, vous faites Installed Confirm ici. Là, vous allez dans votre menu. Et vous allez voir comme un disque dur, de, avec une flèche qui descend vers le bas, comme ça, là. Là, le menu, genre, vous allez voir A+, ça veut dire que c'est bien correct. Là, vous allez dans Search. Là, je vais taper un jeu, là, c'est juste pour Topple 2, là. Au nom Crash Bandicoot, là, ceux qui le connaissent, là, c'est un jeu célèbre. Crash Bandicoot, juste Crash. Maintenant, vous voyez l'icône de Crash. Ok. Là, on clique dessus. Là, vous descendez tout vers le bas, là. Là, vous allez voir Download. Genre, ici, là, bleu, là. Puis là, en bas, là, vous allez voir des sources. Mais pas des sources, mais des versions. Fait que là, j'en clique un dessus. Là, vous allez voir plein de sources. Vous en avez là, tout vers le bas. N'importe quel, des fois, il n'y en a pas. On va en cliquer sur un. Fait que j'en clique un. Là, vous avez, des fois, vous allez... Si c'est pour toucher Red, c'est vous descendez tout en bas. OK. Là, vous descendez. Si vous cliquez sur Download, le vert, là, ici, le vert, là, c'est que vous allez télécharger le jeu, mais vous n'allez pas décompresser. Il va falloir que vous descendez ici, là, dans le milieu Download, puis vous cliquez dessus. Mais si vous cliquez sur Install, vous allez télécharger le jeu et le décompresser. Alors, je vous conseillerais de faire Install. Je vais faire Install. Là, il va se télécharger. Là, on attend une couple de minutes ou une de secondes, là. Ça dépend pas combien il y a de mémoire dedans. Il finit bientôt, il est à 85-90%. Là, vous allez voir comme quand vous avez fait install, il va genre ça de même. Une ligne qui va se monter, là. Ça va être écrit décompressing tout de même. OK. Ça, c'est la dernière étape. Vous allez voir dans votre menu, et voilà, il est là. Il est là, Crash Bandicoot. Mais pour vous montrer qu'il marche, on va cliquer dessus. Je l'ai jamais essayé. Ça, ok. Et voilà, Crash Bandicoot marche. Alors c'est ça, c'était pour comment avoir des jeux payants gratuitement. Merci et laissez vos commentaires.